Et si on te demande comment tu es venu ? En métro. En passant par quelle station ? Saint-Lazare. Et ensuite ? Porte de Champéret. Yes ! Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Hein. CRJM ! Centre de jour médicalisé ! Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A, désolé ! Autriche ! Si, je t'ai vu, arrête. Le diagnostic, c'est quoi ? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça ? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là ? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est ? Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Vous ne voulez pas être en atelier, vous êtes fort. Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de boum, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droits toute la journée. L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, une fée. Allez, viens.